Yo la team, c'est Xav, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Et aujourd'hui on aborde un thème un petit peu spécial par rapport à d'habitude. On va pas parler du KVK, on va pas parler de l'optimisation, on va pas faire un tuto sur le compte, mais on va plutôt parler de fric. Vous avez pu voir l'intro de la vidéo, ça m'a fait bien rigoler. Mais aujourd'hui on va parler de billets chatoyants. J'ai bien choisi l'intro parce que c'est pas vraiment que un truc de baleine, mais ça peut être rentable réellement pour tous. Alors c'est simple, pour utiliser un billet chatoyant, vous avez juste à l'acheter. Quand vous l'achetez, vous avez juste à aller sur un pack et l'échanger. On va pas le faire maintenant, ça m'intéresse pas. Pour aller acheter ce pack, comment on fait? Eh bien tout simplement, vous avez juste à aller sur votre navigateur internet, vous allez sur le site Plutomol. Alors choisissez bien Plutomol Rock. Vous vous identifiez avec votre adresse mail que vous avez dans le jeu, l'adresse mail à laquelle vous avez lié votre compte. Vous choisissez le compte que vous voulez utiliser et ensuite vous avez plus qu'à choisir le pack que vous voulez prendre. Attention, vous pouvez voir comme là par exemple, ça vous donne des pièces chatoyantes supplémentaires pour acheter d'autres packs. Donc là ça peut être méga rentable. Celui-là est vraiment ouf, c'est... Regardez, billet chatoyant 3x10, contenu à durée limitée avec l'achat, c'est incroyable. Il y a énormément de choses, donc ça vous donne énormément de bonus. Et une fois que vous êtes in-game, vous récupérez vos petits billets chatoyants qu'on peut voir juste là. Vous avez les petites pièces chatoyantes que vous avez récupérées également. Donc on va le faire, allez. Vous avez juste à échanger. Hop, et voilà, c'est fait. Vous avez récupéré le pack en question. Hop, et voilà. C'est si simple que ça. Ça vous coûtera moins cher d'une. Ça vous coûtera beaucoup moins cher que dans le jeu. Rentable pour vous, quoi. Donc ensuite, bah, ça vous permet de maxer les petits packs qui sont ici. Et ça vous permet de monter en puissance aussi plus rapidement. Donc c'est réellement, si ça vous intéresse de faire ça, bien évidemment, ne le faites pas si ça vous intéresse pas. Voilà, actuellement j'ai pris le pack en tenue parce que c'est le plus important et le plus rentable pour moi. Car je cherche à monter mes équipements, mais vous pouvez prendre autre chose, des ressources, etc. Donc c'est votre choix. Quand vous êtes sur Plutomol, vous pouvez descendre tout en bas, vous avez les moyens de paiement. Et là, vous pouvez cliquer sur « Rendez-vous vers votre Lily Pass ». Vous cliquez dessus, et là, vous allez dessus, directement. Vous avez des packs. Vous pouvez choisir, ici, par exemple, je vais prendre Rise of Kingdoms. Donc, moi, j'avais tout réclamé, et je suis niveau trop faible pour être diamant et titane. Donc, du coup, je ne peux pas récupérer. L'eau à durée limitée, je n'en ai pas. Par contre, j'ai ça en points. Donc, avec ces points-là, je peux acheter des coffres qui vous donnent des récompenses. Par exemple, on va partir sur « Coffre d'argent ». Hop, et le coffre d'argent, on peut voir qu'il nous donne une clé en argent. Coffre de ressources, choisissez-en un, donc de niveau 2, il y en a 3. Et détail peut être échangé une fois par semaine, peut être échangé par les membres de rang argent, pas de limite. Et tout simplement, vous avez plus qu'à, hop, on clique et on achète. Donc grâce à ça, vous allez aussi avoir le pass. Hop, on va aller là. Le Lily Pass. Donc le Lily Pass, vous avez juste à ouvrir la page et à lire. Comme on peut voir juste ici, on va zoomer un tout petit peu. Je suis désolé. Voilà. Bienvenue dans le centre des membres Lily Pass. Aujourd'hui, nous allons jeter un œil au centre des membres Lily Pass et à voir comment utiliser mieux, comment c'est, qu'est-ce que le centre membre de Lily Pass. Donc tout simplement, ça vous permet de gagner de l'XP Lily Pass en jouant à des jeux de Lilith. Ça échange des lots et des privilèges basés sur des niveaux. Vous avez un centre de récompense et bien plus encore. Quelles sont les fonctionnalités pour les membres? Donc, informations clés, vous pouvez consulter vers votre niveau Lilith Pass et vérifier les derniers événements passionnants. Des liens rapides, échanger facilement des lots ou accéder à la page de paiement officielle de Lilith en un seul clic. Connexion quotidienne, donc visitez la page d'accueil quotidiennement pour gagner des points en vous connectant. Ils peuvent être échangés contre des récompenses, donc pensez-y, connectez-vous et récupérez tout ça. Donc, à savoir que avec le Lily Pass, vous pouvez récupérer une remise de bonus de 1% sur tout ce que vous achetez. Donc, c'est plutôt intéressant dans tous les cas. C'est toujours de l'argent de récupérer. Donc, pensez-y, faites-le et vous verrez que tout sera bien pour vous. J'avoue qu'on ne pouvait pas dire bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Rock sans aller sur Rock quand même. Mais on va aller sur Rock. On va aller sur Rock, on va quand même parler du KVK. Nous allons récupérer ce petit machin là incessamment sous peu. Donc le camp de croisée, il est attaquable. On va l'attaquer bientôt, donc il va falloir qu'on y aille assez rapidement. Ça donne pas beaucoup de récompenses, mais ça donne pas mal de points d'honneur. Donc ça c'est plutôt intéressant. La forteresse de croisée, c'est pour bientôt aussi. On peut la voir, elle est juste là. Hop, c'est pour bientôt, elle est pas encore ouverte, donc c'est normal. Maintenant on va faire un petit tour au niveau des points d'honneur. Ils sont juste là. Et je suis 57e du tableau de l'honneur individuel. Je suis 9e de mon alliance. Par contre, notre alliance est 5e.
Il va falloir qu'on prenne vite un camp de croisée parce qu'on va prendre beaucoup de retard. Donc voilà les amis, pour cette petite vidéo, avant de vous quitter, je tiens à vous dire merci pour tout votre soutien. Le live d'hier s'est super bien passé, j'ai kiffé et on en fera beaucoup d'autres. La semaine prochaine, les horaires de vidéo seront le matin. Donc les vidéos sortiront aux alentours de midi, comme toutes les deux semaines. Il y a une semaine où c'est le matin, une semaine c'est l'après-midi. Il y aura certainement des lives. Donc mardi, pas de vidéo. Demain, vidéo. Mercredi, certainement vidéo. Jeudi ou vendredi, on verra comment on fait, si on fait un live ou si on fait une vidéo. Donc tenez-vous prêts. Si vous voulez les horaires à laquelle je vais live, je vous laisse rejoindre mon Discord qui est dans la description. Grâce à lui, vous allez pouvoir suivre toute l'actu. Il va y avoir un channel announcement qui va être mis en place. D'ailleurs, un salon recrutement aussi. Et ouais, les gars, vous allez pouvoir recruter sur le serveur. Donc, ça veut dire qu'il va falloir inviter des gens pour pouvoir recruter. Et oui. Il va y avoir des rangs. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine mise à jour du serveur Discord qui va arriver ce week-end, je pense. Enfin, aujourd'hui ou demain, on verra. Mais ça va être plutôt cool. Ça va être plutôt cool. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir, et à activer la cloche de notification. J'ai vu que grâce aux shorts que j'ai fait, il y a pas mal d'entre vous qui sont nouveaux sur la chaîne, donc ben, merci à vous d'avoir rejoint. Et n'hésitez pas à partager pour que les autres rejoignent aussi. L'objectif, c'est d'avoir la plus grosse communauté française sur Rock, sur YouTube. Donc voilà les amis, c'était Xav the Master, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et bye bye.